Mes frères et sœurs, chers membres du groupe Société de la dernière génération, bonjour, comment nous y, comment nous lever, j'espère que tout en forme. Et nous disons bon Dieu merci parce que bah, nos possibilités, il fait nos grâces, nous lever en bien et matin. Mais on va arriver côté que nous pourrions considérer ensemble la leçon nous gagnons pour jeudi, hein, qui c'est mardi. 6 septembre 2022, qui est pour titre David, une leçon d'attente. Mais juste avant, on a entré dans un grand titre là, on a dit comme ça, leçon 11, attendre dans le creuset. Verset à mémoriser, mais le fruit de l'esprit, c'est la patience. Eh bien, hier lundi, on était ouais, ensemble. Au temps de Dieu, c'est que Dieu a un temps, ok, pour qu'il agisse en faveur de nous-mêmes, ok. Bon Dieu, il y a un temps pour qu'il agisse en faveur de nous-mêmes. C'est que parfois, temps nous estimons, hein, c'est pas lui que bon Dieu nous estime, d'accord. Eh bien, c'est comme ça. Je dis, hein, c'est mardi, David, une leçon d'attente. Ok, et bien nous parlons dans la leçon je dis hein, côté que David lui-même qui t'est trouvé l'ayant creusé. Ok, nous songeons que papa David pas de David seulement. Ok, il était plusieurs autres petites. Et bien qui ça David a fait comme activité, c'était garder bêtes, garder moutons. Tandis que à l'époque il ont travaillé comme ça en Israël. Ok, c'était un travail qui était négligé. C'était monde qui pibe dans la société avec Eiffel. Et bien, le fait que David pas d'importance dans une famille, et bien, il était bal comme activité pour les gars regarder en bête. Mais nous avons regarder comment bon Dieu lui-même les soutient dans rager avec lui, il mettait dans palais. Ça veut dire qu'on a remarqué que et David lui-même, il était tendre le temps de Dieu. Okay? Il était tendre le temps de Dieu. Il était tendre le moment que bon Dieu lui-même a levé en dignité. C'est que lui pas prendre devant, il va prendre devant, mais il était tendre le moment pas bon Dieu. C'est que nous, chaque cas vivre, nous gagnons temps. Okay? Nous, chaque cas vivre, nous gagnons jour. Nous avons temps, nous avons jour pour bon Dieu lui-même, lui délivrer nous. Ok? Eh bien, toutefois que nous avons regardé dans 1 Samuel 16, verset 1 à 13, nous avons vu que ce jeune-là, à savoir David, il était oint par Samuel, comme moi. Okay? C'était Samuel qui était oint, comme moi. Cependant, c'était un long voyage des champs de son père et qui était arrivé au trône de Jérusalem. Ok? Eh bien, et David lui-même, il a eu des problèmes ensemble avec Saül. Saül te voulait tuer David. Et David a eu plusieurs occasions pour le tuer David. Il n'a pas fait lui. Ok, imagine un monde qui a cherché pour le tuer ou jouer une possibilité pour tuer ou pas tuer. Il avait dit, lorsque vous avez servi bon Dieu, son autre bagage. Et le fait que l'on a réagi en comme ça, bon Dieu délivrer lui et bon Dieu passer ensemble avec lui-même. C'est que bon Dieu lui-même, il y a autant de façons de fonctionner. Mais lorsque nous avons regardé ensemble le chemin de David vers le trône, bien, nous pourrions peut-être le résumer en une courte phrase qui dit comme ça, ne saisissez pas ce que Dieu n'a pas encore donné. C'est que bon Dieu, beaucoup, pas fouiller mon la donne. Tant les pas là. Jour pour avoir besoin à faire ma gouge, avoir besoin à faire compromis, tant moment pour là. C'est que les dons de Dieu sont toujours mieux reçus de sa main et en son temps. Et ça capable et nécessiter un très long temps d'attente. Ok? Mais lorsque vous passez avec vous, vous prenez un bon temps, mais il suffit que vous tenez. Ou bien patience. Mais c'est que lorsque vous parlez de pois qui c'est haricot,
Il a littéralement poussé en quelques heures. Tandis que chêne, même il prend de nombreuses années. C'est exemple ça. Matin, il y a de monde. Jeudi, quand c'est jour pâle. Demain, quand c'est jour pâle, l'autre monde. Après-demain, c'est qu'il y a l'autre monde. Ok? Eh bien, ou même au bon temps, mais monde ça arrive, c'est haricot que oui, ça arrive, c'est poire. Ils juste mettez là, dans quelques heures de temps, ils poussent. Mais ou même aussi chêne, aussi bois de chêne, on prend quelques années pour qu'elle pousse, on prend quelques années pour qu'elle apparaisse, on prend quelques années pour qu'elle perce. Et ceci, lorsqu'on perce, ou perce net, eh bien, ça qui est important, c'est ton bon Dieu, ton moment Paul, ton jour Paul. Mais alors, quand viennent les tempêtes, le chêne n'est pas déraciné. Ok? Quand viennent les tempêtes, les chênes ne sont pas déracinés. Mais il y a un petit bois de chêne qui est planté, qui prend quelques années pour apparaître, eh bien, n'importe vent pas ajouter. Lorsque la tempête vient, la tempête n'est pas déracinée parce que lui vraiment ancré. C'est que nous devons comme des chênes qui grandissent dans le bon Dieu et que bon Dieu lui-même qui ouse nous. Que les gens qui prennent soin de nous, etc. Mais ne peu importe ce qui arrive dans la vie, nous ne pouvons pas rien, au contraire, nous avons campé un diam. Nous avons campé un diam. Eh bien, on nous suit l'exemple de David, lui-même qui était dans le creuset, qui était dans le creuset, dans un moment difficile, dans un domaine rage, dans un pensant bête, il était dans le moment ça. Mais nous-mêmes, nous avons comme devoir pour nous cabrer dans un moment difficile. Dans tant de moments de maladies, tant de moments de problèmes, tant. Alors c'était votre serviteur, Guy Caleb Nsuto. Bonne journée et bonne participation dans le son pour aujourd'hui.